Eh bien bonjour, mon nom est Frédéric Borrand et dans cette vidéo nous allons voir en fait comment travailler avec un organigramme pour vous présenter le si sinon. Donc je suis reparti de l'organigramme précédent avec le HPR65 et si c'est vrai on faisait afficher ça. On va utiliser en fait cette structure là, hein, avec si c'est vrai on part à gauche et si c'est faux on part à droite. On peut utiliser l'autre, hein, c'est pareil. Ce qu'on va faire, donc on va pas tout refaire, on va faire juste un clic droit en fait. Vous voyez ici j'ai sélectionné ma structure, on va faire un petit clic droit, convertir en. Et ici, on va lui dire de convertir ça en conditionnel si sinon. Donc en fait, bah, il trace ça et il nous dit bah voilà, donc je sais quoi faire si c'est vrai. Dites-moi quoi faire si c'est faux. Donc on va venir là, on va faire un petit glisser-déplacer et là on va faire écrire. Vous n'êtes pas à la retraite. Accepter. Voilà, donc visuellement, bah, on le voit beaucoup mieux ici, hein, ce qui se passe. Si c'est vrai, on part là et si c'est faux. On part là, on peut le faire exécuter évidemment. Donc votre âge 75, vous êtes à la retraite. Et si on recommence, votre âge 25, vous n'êtes pas à la retraite. Donc là pas de souci. Un petit peu de pas à pas pour le voir. Donc la flèche elle est là, on vient là, donc ici votre âge, donc là ensuite on est sur le lire, on va mettre 15. Vous voyez que là, on est sur la condition, hein, la flèche elle est là. Et du coup, on vient ici. On part bien sur la gauche. Vous n'êtes pas à la retraite. Et on a fini. Donc vous voyez, moi j'aime vraiment beaucoup, hein, le pas à pas, vous avez compris. J'aime beaucoup les organigrammes parce que visuellement, en fait, ça vous aide à voir la structuration de votre programme. Dans la prochaine vidéo, ce que l'on fera, bah, c'est qu'on va faire un petit exercice, en fait, on va compléter en fait cela avec des si sinon imbriqués, donc quelque chose d'un peu plus complexe, et ça vous permettra de voir que les organigrammes peuvent des fois bah, vous aider à vraiment voir ce qui se passe. Voilà, je vous remercie, je vous laisse vous abonner à ma chaîne, allez visiter mon site fboran.info, et on se retrouve dans une prochaine vidéo pour voir des si sinon imbriqués un peu plus compliqués. Je vous remercie.